Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais rapidement vous rebalayer les deux dispositifs qui font l'objet de cette séance de signature, à savoir l'opération de revitalisation du territoire dans le cadre du programme national Petite Ville de demain et l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, revitalisation rurale, qui est le programme opérationnel pour la politique d'habitat pour les 5 prochaines années. Ces deux dispositifs s'appuient sur le territoire et ses spécificités. Un territoire qui se veut global avec 37 communes, dont 4 communes qui centralisent et polarisent la dynamique intercommunale. Et enfin, encore une fois, ce territoire qui représente le maillon des 37 communes et qui est le terrain d'expérimentation de toutes les politiques sur lesquelles nous sommes en train de travailler et qui verront le jour pour les années à venir. Donc un territoire en 3 dimensions. Sur ce territoire, les élus intercommunaux et communaux se sont associés afin de définir un projet pour les prochaines années. Ce projet va s'intéresser aux thématiques suivantes: le développement économique, la question de la solidarité, l'aide à la personne, la question des services aux usagers et enfin la question de l'aménagement de l'espace au sens large, dont la rénovation de l'habitat qui est à l'ordre du jour. Au travers de ces grandes thématiques, il y a finalement les politiques qui sont menées depuis 2020, qui sont transposées, et ces politiques-là vont continuer à être étoffées dans les années à venir avec d'autres dispositifs qui sont encore une fois en cours d'élaboration. Un territoire, donc, un projet, telle est la volonté des élus intercommunaux. Et pour mettre en œuvre ce projet intercommunal, les élus ont fait le choix de se saisir des différentes opportunités qui se sont offertes à eux, dont l'opération de revitalisation de territoire dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain et l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. En quelques mots, cette opération de revitalisation de territoire est inscrite dans le programme national Petite Ville de demain, qui est le moteur de cette démarche, qui est le programme qui a permis de labelliser les communes de Terrasson, de Thenon, ainsi que le territoire intercommunal. Donc une démarche dans laquelle le trio est engagé aux côtés de ses partenaires, dont l'État, depuis l'année 2021. Et aujourd'hui, cette ORT vient concrétiser cet engagement après 18 mois de travail. C'est donc un engagement qui se veut multipartenarial. Il y a évidemment les territoires concernés, l'État, représenté aujourd'hui par la sous-préfecture de Sarlat, mais également d'autres partenaires tels que le Conseil départemental, la Banque des territoires, mais également des partenaires tels que l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, qui nous accompagne au quotidien dans nos démarches. C'est donc une ORT territorialisée qui va concerner le territoire de la communauté de communes et plus précisément les 4 centralités que sont Terrasson-la-Ville-Dieu, Thenon, Le Larvin-Saint-Lazare et Hautefort. 4 centralités qui polarisent donc notre territoire intercommunal. Sur les interventions qui pourront voir le jour dans les années à venir, les élus ont fait le choix de miser sur le développement de l'économie, le développement des équipements, des services publics, le développement de l'habitat, grande thématique, ainsi que d'autres thématiques qui font l'objet des différentes démarches en cours d'élaboration, telles que celles liées à la petite enfance, je parle de la convention territoriale globale, ou encore celles liées à l'agriculture, alimentation. Je peux aussi parler du projet alimentaire de territoire. Voilà d'autres démarches qui sont associées au développement du territoire et qui sont intimement liées à cette ORT. Une ORT avec une ambition en termes d'investissement. Le territoire s'engage aujourd'hui à porter un programme à hauteur de 37 millions d'euros d'investissement sur les 5 prochaines années, 2022 à 2026, avec la répartition suivante: 6,5 millions d'euros qui devraient être investis par la communauté de communes et 30,5 millions d'euros par les 4 centralités cumulées. Ces 37 millions d'euros vont donc permettre
de mettre en œuvre une cinquantaine d'actions, une cinquantaine de projets, dont 14 ont été identifiés comme étant matures. Matures, c'est-à-dire que ces projets pourront voir le jour dès ce deuxième semestre 2022 ou sur l'année 2023. Alors, je pourrais citer quelques exemples à l'échelle intercommunale, l'extension et l'aménagement des zones d'activité économique. À l'échelle des communes, on parle de la rénovation énergétique de la salle du marché couvert à Thenon. On peut aborder sur la commune de Terrasson la question de la friche Bourgade qui se trouve à quelques pas de ce siège. Et sur la commune d'Hautefort, la question de la réhabilitation, la rénovation de l'aile nord-est de l'hôtel Dieu. Voilà donc quelques actions qui verront le jour dans les prochains mois. Concernant l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, revitalisation rurale, voilà son nom complet. Cette opération, portée par la communauté de communes pour les 5 prochaines années, 2022-2027, va constituer une intervention globale, c'est-à-dire une intervention sur les 37 communes, mais également renforcée sur 4 centralités, toujours Terrasson, Thenon, Le Lardin et Hautefort, au regard de leurs problématiques. Cette opération programmée porte un objectif de 100 logements à rénover par an, et ce, pendant 5 ans. Ce qui nous donne donc un objectif de 500 logements à rénover sur le territoire intercommunal à horizon 2027. Pour ce faire, il y a évidemment des leviers incitatifs qui sont proposés. Il y a tout un panel d'aides directes qui vont être mises en œuvre dès aujourd'hui. Cela représente un volume global de 1 415 100 euros par an, tous partenaires confondus. Dans le détail, l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui est le principal partenaire, va injecter sur le territoire 1 064 000 euros par an, sous condition. À cela viendront s'ajouter les aides du Conseil départemental, 22 500 euros par an. L'enveloppe intercommunale, 250 600 euros par an. Et enfin, les 4 centralités cumulées pour une enveloppe de 78 000 euros. Voilà donc le détail pour pouvoir apporter des aides à nos administrés sur des travaux d'économie d'énergie, d'adaptation des logements, de réhabilitation et mise aux normes des logements, de ravalement de façades, de création d'accès séparés dans les immeubles, de différentes primes contre la vacance pour favoriser l'usage de matériaux biosourcés, le changement de mode de chauffage, et enfin des primes pour favoriser également l'accession à la propriété. Enfin, sur cette opération, il y a d'autres partenaires qui apportent leur pierre à l'édifice et qui sont représentés aujourd'hui, à savoir Procivis, donc cette coopérative qui va nous accompagner durant les 5 prochaines années sur des questions d'avance d'aide intercommunale et également d'offres de prêts spécialisées pour des publics qui aujourd'hui n'ont pas accès aux prêts proposés par les banques de la place. Voilà. Cette opération met en avant des outils incitatifs. Nous sommes là pour inciter les administrés à faire. Cependant, dans certains cas de figure, il sera possible d'actionner des leviers qu'on appelle coercitifs, donc des leviers qui, je dirais, solliciteront directement certains propriétaires afin qu'ils puissent réaliser des travaux bien spécifiques. Je conclurai sur un point, et non des moindres, la gestion de cette opération. Une opération gérée par la communauté de communes en régie, c'est-à-dire que c'est un service au sein de la communauté de communes, le service Habitat et Revitalisation, qui va gérer cette opération, qui va, via les conseillers techniques Habitat qui sont déjà recrutés et dont l'équipe sera étoffée dans quelques mois, Madame Chiara O'Carroll, en face de moi, représente aujourd'hui cette équipe technique. Donc, c'est une équipe technique qui est en cours de constitution et qui pourra, ou du moins, qui pourra accompagner
dès demain tous nos administrés sous condition dans leur démarche de rénovation de l'habitat. Pour pouvoir accéder à toutes ces aides, hop là, ou du moins pour avoir des renseignements sur ces deux dispositifs, ORT et OPA, la communauté de communes restera votre interlocuteur. En l'occurrence, je serai votre interlocuteur sur ces deux démarches. Et du point de vue de l'administré, du point de vue de nos concitoyens qui souhaitent réaliser des travaux d'amélioration de l'habitat, une seule information à retenir, le guichet unique, qui se nomme Périgord Noir Rénov, que nous avons, nous, communauté de communes, créé avec les 5 autres communautés de communes du Périgord Noir, guichet unique, qui permet d'accueillir les propriétaires, donc de réceptionner leur premier appel, de les renseigner et de les renvoyer vers les services les plus appropriés, en l'occurrence notre service habitat sur le territoire intercommunal. Donc deux contacts à retenir. En tant qu'élu, des renseignements sur le programme, prenez contact avec la communauté de communes et le référent. En tant qu'administré, des questions sur votre projet, contactez Périgord Noir Rénov et Périgord Noir Rénov pourra vous guider dans cette démarche. Bon, d'abord, avec mon côté un peu taquin, je vais dire que ce week-end, j'ai passé quelques heures au congrès des maires ruraux et en fait, il y avait deux cibles un peu particulières. Il y a l'État avec ses ministres à qui on s'est adressé et les communautés de communes qui apparemment étaient le vilain petit canard par rapport aux maires ruraux. Voilà. Donc, les vilains petits canards vont essayer de démontrer qu'en concertation avec l'ensemble des communes, et particulièrement sur ce territoire, on essaye, avec l'État et nos partenaires, à co-construire un projet de développement qui soit gagnant-gagnant pour l'ensemble du territoire. Alors, certes, au départ, les outils Petite Ville de demain, c'est les centralités, mais comme ça a été expliqué avec nos trois axes, qui sont à la fois, certes, les centralités, les politiques transversales et aussi le maillage du territoire, on cherche, c'est d'abord nos orientations, et elles se traduisent par des réalités aujourd'hui où tout le monde pourra bénéficier de ces opérations. Autre point que je voulais dire aussi, en faisant passer un certain nombre de messages où chacun, avec sa casquette, peut les faire remonter à son niveau. Il est aujourd'hui bien, politiquement, de louer le milieu rural. Tout le monde veut s'installer dans le milieu rural. Le milieu rural aurait que des qualités. Alors, pourvu que ça reste pérenne, et que malgré ça, chacun avec sa casquette, l'État en premier, nous permettent de faire que cet engouement pour venir chez nous, et c'est une réalité, puisque le département le sait, les droits de mutation n'ont jamais été aussi élevés, donc il est clair que c'est vrai, mais il faut que ça dure. Et donc, concernant l'installation des entreprises, bon, Romain, tu l'as dit, qui est un de nos premiers points importants, les zones d'activité. Si demain la CVAE était remplacée par une dotation de l'État qui fait que lorsqu'on installe une entreprise, ben, on n'est pas un centime de plus, ça déconnecterait un peu les politiques locales des recettes potentielles et du territoire. Donc c'est, je sais que les députés en ont parlé, et là encore c'est pas en l'air, parce que la CFE, par exemple, c'est déjà ça. C'est bien de permettre aux entreprises d'avoir moins de taxes, mais sur la CFE, c'est le cas. Ici, on avait 12 millions de bases, et on n'en a plus que 8 millions de fiscalisés et 4 millions qui arrivent par la dotation. Mais la dotation, elle est fixe. Ce qui veut dire que demain, on installe une autre entreprise, on n'a plus de CFE. Et les zones d'activité, la région vient de nous signaler que c'était une compétence de la communauté de communes. L'État, bon, malgré tout le soutien de Madame la sous-préfète que je remercie,
on est un peu à la marge. Sur l'acquisition, ce n'est pas possible. Sur la viabilisation, ben, on va essayer que vous nous souteniez pour les zones qu'on a achetées ou qu'on va acheter et qui seront à viabiliser. Voilà, donc tous ensemble, et le département, bien sûr, nous accompagne. J'ai toujours dit, même si je ne suis pas censé être porte-parole du département, mais j'ai toujours dit sur les tribunes que le département nous accompagnait avec les contrats de projets communaux et les contrats de projets territoriaux, mais à condition, et ce n'est pas sa compétence, qu'il en ait les moyens financiers. Donc c'est bien pour ça que les contrats ne sont faits que pour 3 ans. Hein, si jamais il y avait un retournement de conjoncture, hein, il pourrait être amené à diminuer sa participation, ce qu'il a déjà commencé à faire, puisque sur les contrats de projets communaux, on a 20% de moins par an par rapport au dernier mandat. Hein, voilà, donc tout ça est quelque peu, il faut y réfléchir. Ce matin, j'avais des chefs d'entreprise qui m'expliquaient qu'ils commençaient à sentir un peu la récession, que ça devenait un peu compliqué. Alors, je ne vais pas développer tout ce qui est commun et qu'on connaît bien ici, mais il va falloir être très solidaire, serrer les coudes et mettre en application, parce que je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit, mais le mettre en application. Donc, c'est dans cet esprit-là que l'ORT est pour aider les centralités, pour que l'ensemble des communes soit pris, et la politique de l'habitat est aussi importante pour l'économie. Car si demain, déjà que le foncier c'est compliqué, si demain les salariés ne trouvent pas pour résider ici, ils risquent de ne pas venir. Et deuxièmement, dans nos écoles, tous les services qu'on crée, puisqu'ici, d'ailleurs au congrès des maires ruraux, ils ont dit, il y a même certaines collectivités qui ont fait des maisons France Service itinérantes. Donc ici, on est la première dans ce département, et pour l'instant la seule, je crois, Maison France Service itinérante. Donc on a une volonté forte de faire des services à la population, mais il faut qu'il y ait des gamins dans les écoles, il faut que les gens habitent chez nous. Donc c'est un tout, donc merci à vous tous de nous accompagner dans cette politique. Moi je vais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser Germinal Perrault, le président, vous ne pouvez pas être là aujourd'hui, ainsi que mes deux collègues vice-présidentes qui sont très concernées par cette signature, qui étaient très concernées par cette signature, à savoir Cécile Labarthe pour la contractualisation et donc Juliette Nevers pour concernant tout ce qui est habitat et aide à la pierre. Donc moi, ce que Monsieur le Président de la communauté de communes a parlé un petit peu, ce que je voulais vous peut-être vous redire, c'est la place du département et l'aide du département. Donc savoir qu'en Dordogne, c'est 13 territoires qui sont constitués de 19 communes qui sont concernées par le dispositif Petite Ville de Demain. Et donc Terrasson en fait partie. Et donc l'implication du département dans ce dispositif, avec leur concrétisation au niveau de l'ORT, c'est à la fois la politique contractuelle, Dominique Bousquet en a parlé, effectivement, que nous avons planifié sur 3 ans parce qu'effectivement, la situation conjoncturelle est compliquée et donc on préfère effectivement prévoir sur 3 ans et voir après ce qu'on pourra faire. Donc cette politique contractuelle de droit commun au titre de ces nouveaux contrats territoriaux 2022-2024, plus de 41 millions. La politique de l'habitat au titre de la délégation de l'aide à la pierre. Et donc, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est presque 22 500 par an, c'est ça. Et donc, la gestion des crédits intermédiaires en provenance de la banque de territoire qui sont fléchés sur des études stratégiques préopérationnelles ou thématiques à l'exclusion de Sarlat et de Montpont, qui ont conventionné avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, à ce titre, donc, le département est signataire de toutes les conventions ORT. Donc, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, que le département est présent. Moi, je voudrais quand même souligner l'originalité, le travail des équipes, de Demain et puis de
Nicolas. Souligner l'originalité, effectivement, de ce dispositif deux en un, qui a quand même pas posé problème, mais qui a demandé des ajustements et un travail spécifique. Et donc, moi, je suis ravie que ce territoire élargi au Lardin et à Hautefort, je suis ravie de cette dynamique pour ce territoire. Et je souhaite bonne chance à cette convention. Simplement quelques mots, puisque vous avez à peu près tout, vous avez tout dit. Nous, lorsque nous avons été choisis pour participer à cette démarche Petite Ville de Demain, nous étions d'abord avec nos collègues de Tenon. Nous étions très honorés, nous le sommes toujours d'ailleurs, et nous espérons beaucoup de cette opération avec l'ORT, l'OPH, parce qu'on a beaucoup de travail à faire sur notre petite ville de Terrasson. Il y a beaucoup d'appartements vacants, etc., etc. Donc c'est une très bonne chose. Comme vous avez pu le voir, les communes, certaines communes ont mis des financements pour appuyer les différentes aides, que ce soit sur les façades ou sur les accès séparés. Donc ça va dans le bon sens et on espère beaucoup de cette opération. Je pense que ça va redynamiser notre territoire et toutes les communes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les communes peuvent en profiter. Voilà, simplement ces quelques mots pour vous dire que c'est une très bonne chose et nous allons sûrement signer ces deux conventions. Voilà. Merci. Surtout, on travaille sur les deux volets, en fait. Le volet réhabilitation de bâtiments et tout ça, c'est bâtiments collectifs et individuels. Donc ça, c'est plus facile à cerner, disons, même si c'est des gros dossiers. Parce que bon, c'est voyant, il y a des bâtiments à refaire et tout. Donc voilà. Par contre, le volet revitalisation du territoire, c'est beaucoup plus flou. Enfin, flou, disons, il faut d'abord définir des besoins. Ensuite, définir exactement des besoins, se donner des plans d'action. Donc c'est quand même deux dossiers différents. Et le deuxième est pas tellement formulé encore. Mais moi je pense qu'il va falloir faire des choses quoi, là-dessus. Alors un plan à moyen terme, on espère, hein. pas à long terme, parce que si c'est à long terme, bon. Et à moyen terme, bon, voilà, on pousse derrière pour que ça aboutisse tout ça. Après, Hautefort. J'excuse aussi l'absence de monsieur le maire de Hautefort qui a participé activement à tous nos groupes de travail pour arriver à cette signature. Et ça rentre totalement dans le prolongement de notre politique communale en matière de revitalisation, d'offre de logement et de rénovation de notre habitat. On a aussi un parc locatif, un lotissement qu'on voudrait créer avec de 4 hectares. Donc on est ravis aujourd'hui qu'Hautefort ait pu être intégré à cette dynamique territoriale. Le Lardin est également, n'était pas effectivement petite ville de demain. Grâce à cette opération ORT, donc nous avons pu nous joindre à ce dispositif et profiter effectivement donc de tous les avantages qui vous ont été cités. Donc nous sommes très heureux de pouvoir en bénéficier. Comme toutes les villes qui ont parlé précédemment, nous avons effectivement les mêmes problématiques de locaux vacants, de revitalisation de centre-bourg. Et pour ma part, donc, nous avons aussi, la ville donc, a aussi participé, comme toutes les autres d'ailleurs, au niveau donc, du ravalement des façades. Donc je pense qu'effectivement ça va redonner une nouvelle dynamique. Ça va aider à redonner une nouvelle dynamique, en tout cas au Lardin, parce que comme je dis toujours, aujourd'hui on passe, mais surtout on ne s'arrête pas. Donc notre objectif c'est que les gens maintenant s'arrêtent au Lardin et ne fassent plus que passer sur le RD 6089. Donc c'est un dispositif qui va nous aider, je crois, donc à réaliser notre souhait. Je remercie tous les financeurs et tous les acteurs et effectivement les gens qui ont travaillé sur ce projet, parce que je sais que ça n'a pas été facile et que ça a demandé donc beaucoup de ténacité, parce que nous les maires on n'est pas toujours simples non plus et c'est parfois compliqué, voilà. Donc merci à toutes et à tous en tout cas, et en espérant que voilà, ce dispositif donnera, et j'en suis sûre, entièrement satisfaction. Procivise, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coopérative, une SACICAP, donc une société anonyme coopérative, qui a pour vocation d'accompagner financièrement les populations modestes et très modestes qui souhaitent s'engager dans des projets de travaux et de rénovation.
Nous sommes partenaires du département déjà depuis de nombreuses années et nous accompagnons d'autres opérations programmées sur le territoire de la Dordogne. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir signer cette convention d'OPA à vos côtés pour aider tous les propriétaires qui désireraient s'engager dans des travaux de rénovation et qu'on accompagnera par deux moyens financiers. Un premier moyen qui sera le financement du reste à charge de leur projet de réhabilitation. Car le reste à charge, ça, à un moment donné, ça peut bloquer, surtout quand on n'a pas de gros revenus. Une banque classique peut vous refuser un crédit bancaire. Nous, on va accompagner ces populations-là et sans intérêt. Notre particularité, c'est de proposer des financements sans intérêt, sans frais de dossier et gratuits pour l'administré. Et on les accompagnera également dans un autre moyen qui est l'avance des subventions auxquelles ils ont droit. Et on a signé il y a quelque temps une convention avec la communauté de communes pour avancer les aides propres de la communauté de communes. On en a une également avec le département où on avance aussi les aides propres du département de façon à pouvoir préfinancer ces subventions qui généralement sont versées en fin de travaux sur présentation des factures. Donc les délais sont parfois un peu longs pour bénéficier de ces financements-là. Et nous, dès le démarrage des travaux, nous allons pouvoir les préfinancer à hauteur de 9 000 euros par dossier. Donc ravi de pouvoir être à vos côtés pour accompagner l'ensemble de vos administrés sur le territoire. Et nous espérons de nombreux dossiers dans les semaines qui arrivent. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là, effectivement, aussi, parce que, comme je le disais rapidement en préambule et comme vous l'avez dit, c'est l'aboutissement d'une réflexion de fond sur l'avenir du territoire et sur les projets du territoire. Et c'est une réflexion de fond qui est vraiment spécifique à cette communauté de communes avec les 4 points structurants que vous avez identifiés. Donc les 2 communes Terrasson et Tenon qui avaient été repérées par le préfet, puisque c'était des propositions aussi concertées de l'État et des élus pour établir la liste des petites villes de demain. Et puis après, une latitude donnée aussi à chaque territoire de décliner cette opportunité comme il le souhaitait, donc comme ça a été le cas ici, en repérant 2 autres points de centralité structurants, et sur d'autres territoires, bien des conventions sont sur des formats différents. Donc c'est vraiment du coût humain, donc c'est vraiment, on va peut-être le rappeler quand même, il y a quand même une volonté de l'État d'accompagner le développement et le soutien des territoires ruraux qui est ancré dans la politique gouvernementale depuis un certain nombre d'années avec toute la déclinaison de l'agenda rural, mais aussi ces dispositifs contractuels qui sont mis en place. On parle, bon, vous avez entendu parler d'Action Cœur de Ville avec sa déclinaison rurale, un peu plus rurale, qui est le dispositif Petite Ville de Demain. On a beaucoup parlé des CRTE, des contrats d'ailleurs de relance territoriaux. Quel est l'intérêt de tout ça? Il est double. D'abord, le premier, c'est effectivement de travailler sur des stratégies de territoire, mais aussi avec une dimension structurante et une vraie dimension d'efficacité. Alors moi, j'entends la volonté des petites communes de continuer à exister, de continuer à bénéficier de soutien financier. Et je le comprends parfaitement sur un territoire comme celui-ci, où chaque commune a son identité, sa spécificité, sa richesse patrimoniale. Mais après, il y a la capacité à apporter les réponses que les citoyens attendent sur un territoire et aussi l'efficacité de l'investissement, que ce soit de l'investissement au niveau des communes, des communautés de communes, du pays ou peu importe, et puis aussi de l'investissement des dotations de l'État ou des grands financeurs publics. Il faut que cet investissement il produise des effets concrets sur le territoire et des effets durables. Et c'est cette notion aussi d'efficacité, de durabilité et de stratégie partagée entre les collectivités qui fait le sens aussi de ces dispositifs contractuels. Alors moi, je vous remercie aussi de vous y être engagé parce que je crois que vous en avez bien compris l'intérêt de ces stratégies durables. Et comme je disais aussi, elles sont quand même sur une échelle suffisamment structurante et dimensionnante qui est celle de la communauté de communes avec les choix que vous mettez en place, et elle repose aussi sur un travail d'audit et d'analyse qui amène à ces solutions, à ces plans d'action qui sont du coût humain pour le territoire et pour lesquels il y a un accompagnement fort, et la volonté de l'État se traduit aussi
dans cet accompagnement tout à fait inédit qui a été mis en place sur l'ingénierie. Parce qu'on sait bien que la faiblesse des territoires, des petites ou des moyennes collectivités, c'est bien cette capacité à mobiliser sur leurs fonds propres des ressources en ingénierie. Donc là, le soutien au financement des chefs de projet, des managers de centre-ville pour ceux qui s'en sont dotés, et aussi toute l'aide, toutes les études qui ont été financées et qui ont permis de faire ces analyses approfondies et de les faire de façon à pouvoir analyser tous les enjeux et à pouvoir les partager pour vous donner ensuite votre propre latitude de construire, votre propre latitude à construire vos plans d'action. Et puis, donc aujourd'hui, on signe le travail de l'aboutissement de 18 mois de réflexion par rapport à la date initiale où on vous avait demandé de signer une convention d'engagement, puis de construire votre stratégie. Et M. Salducci le disait, il y a un certain nombre d'actions, dont un certain nombre matures. J'ai plus les chiffres, c'est 14 actions matures, je crois, c'est ça, sur une quarantaine d'actions. Donc ça prouve bien que la réflexion, elle est encore dynamique. Et qu'aujourd'hui, ça n'est pas la fin de l'accompagnement, c'est un peu le début d'histoire avec tous les différents financements qui sont mobilisés. Et puis l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui continue à apporter des opportunités de financement sur des études. Alors, je crois que sur le Lardin, il y a des choses qui sont en cours et qui chaque fois répondent à votre besoin stratégique, une difficulté sur un territoire, un projet sur un territoire, une demande structurée et argumentée de soutien en ingénierie et qui, bon, si elle est justifiée, peut être accordée. Donc je crois que c'est ça quand même qui fait toute la force de l'accompagnement qui est mis en place et puis qui peut nous aider à voir l'avenir des territoires ruraux avec un certain optimisme. En tout cas, je crois qu'il y a une volonté locale, il y a des moyens qui sont donnés et puis qu'on est là aussi pour construire ensemble. Et au final, en tout cas, bon, vous avez dit tout le bien que vous pensiez des sous-préfets, Monsieur le Président. Je peux que vous en féliciter. Et des sous-préfètes aussi. Et des sous-préfètes surtout, d'ailleurs, je ne peux que vous en féliciter. Mais en tout cas, je crois que ce qui est extrêmement intéressant ici, en Dordogne, en tout cas sur cet arrondissement, c'est qu'on est vraiment dans la co-construction avec les communes, avec des toutes petites communes, avec des communes moyennes, avec des communautés de communes, avec le conseil départemental. On est vraiment sur des partenariats. Et il y a vraiment une grande responsabilité qui est appliquée dans l'administration de ce territoire pour vraiment co-construire des solutions. Et je crois que ça, c'est peut-être là-dessus que je vais conclure, d'ailleurs, sur ce partenariat et cette volonté commune d'avancer. Merci. Alors on signe là où il y a l'entrepreneur.